vais prendre une parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, verset 3. Écoutez-moi, Véril. Ésaïe 46, verset 3. Écoutez-moi, j'ai Dieu, maison de Judas, et Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge. En fait, que j'ai fait quoi? Tu peux dire à la personne qui est à vous, toi qui es le Seigneur, ce que tu as pris à sa charge. Dis à la personne de votre origine. Depuis votre origine. Madame Asson dit, depuis la naissance. Il vous a pris où? Et vous lui dites que je porte depuis votre naissance. Il y a des mots. Depuis votre origine et depuis votre naissance. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Depuis mon origine et ma naissance. Il a des mots. Depuis votre origine et votre naissance. Alléluia. Regardez-moi. La parole de Dieu nous dit, il nous a pris en charge depuis notre origine et à notre naissance. Regardez-moi bien. Regardez-moi. Chacun de nous est d'origine différente, n'est-ce pas? Tu es dans tel famille, dans tel clan, dans tel peuple, dans telle race. Mais il dit, depuis votre origine. C'est ce qu'il continue. À ta naissance. Jamais mieux. À ta naissance. Il t'a appris à quoi? Depuis ta naissance. Depuis ma naissance, il m'a pris en charge. Moi, Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne pas. Aujourd'hui, je pars. Je ne peux pas le battre. Depuis votre origine, depuis mon origine, depuis ma naissance, est-ce que ton père, ta mère connaissait quelle sera ton origine? Ou bien toi-même, comme tu es là. Comme tu es là, tu m'écoutes ce matin. Et tu savais quelle sera ton origine? Qui savait quelle sera ton origine? Bon, je vais prendre pas de dire mon fils. Précise. Tu savais quelle sera un wallon belge? Est-ce que tu savais ton origine? Tu ne savais rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Et toi, tu savais qu'il savait un wallon le belge? Et toi, tu savais que tu seras une Wallon de Belge? Italien ou quel Italien? Toi, tu savais que tu seras une Italienne? Non. De l'origine? Tu savais, toi, là, que tu seras elle? Et l'origine, c'est côté d'Ivoire. Tu savais ça, toi, là? Alléluia. Alléluia. Donc, là, à l'origine, personne, même moi, ne savait pas quelle était mon origine. Parce que je ne savais pas que je venais de dans tel pays. Regardez maintenant là. Je ne savais pas que je venais de dans tel pays, dans quelle tribu, dans quel clan, dans quelle race, dans quel peuple. Et écoutez les messieurs.
dans telle langue que je vais parler. Qui connaissait que sa langue natale est hein? Qui connaissait? Mais regardez-moi bien. Hein? Depuis votre origine, il vous a pris quoi? Bon. Regarde. Dans le Drofiak. C'est vrai que ton papa s'appellera Drofiak. Ah. Mais depuis votre, ton origine là, lui qui connaissait qu'il aura un fils qui s'appellera Daniel Drofiak, qui viendra chez Drofiak. Parce que Drofiak, il est allé, ton papa le savait. Non. Depuis quoi? Depuis origine. C'est quand hein, les gens naissent. Et quand viennent, elle m'a aimé, elle m'a bien aimé. Mais ils ne savent rien, les parents ne savent rien. Parce que depuis notre naissance, il nous a pris en charge. Je vous dis pourquoi. Parce que s'il ne voulait pas que tu puisses voir le jour, aujourd'hui tu ne seras pas là. Tu ne pourras même pas voir le soleil pendant le jour. Et la nuit n'est pas là, la nuit. Et le jour, tu ne pourras même pas le voir. Personne d'entre nous ici, tu me dis moi je connais mon origine. Personne ne connaît l'origine. L'origine d'où nous venons, pas nous là que nous sommes là, nous, là la chair, regarde, tu regardes la chair et l'autre. Non, pas mon origine depuis il y a 1000 ans, qui connaît ici? Mais, depuis l'origine de Moïse, savait que tu vas connaître son fils, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. À ta naissance, quand tu étais là, tes parents savaient que tu vas devenir chrétienne, née de nouveau, mais chrétienne de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Tes parents savaient rien. On n'est pas né, écoutez bien, on n'est pas né chrétien ou chrétienne, on le devient. On le devient. Et quand est-ce qu'on le devient? Quand on croit au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, écoutez bien, comment nous ne connaissons pas notre origine et notre naissance, que nous savons une seule chose, qu'il y a quelqu'un qui nous a pris en charge depuis notre origine et depuis notre naissance. Il nous a pris en charge. Il t'a pris en charge. Alléluia. Ah, tu me donnes maintenant l'illustration, une illustration très importante. Tu savais que tu auras un fils pareil, toi, là? Non, pas du tout. Alléluia. Est-ce que tu savais que tu auras un fils? Le fils est en train de maintenant de pleurer, là. Est-ce que tu savais que la fille de Bouillou va pleurer? Non, mais... Oh, God! L'origine de ce fils ici. Qui connaissait? Ton mari, toi, tu savais? T'es où, t'es maman, d'ailleurs? Et toi, tu savais, toi, ta mamie, tu savais? Non. Hein? Hein? Les mamies, est-ce que vous saviez où? Vos petits enfants? Ah, vous les mamies? Toi là, tu savais quoi? Hein? Tu savais que tu aurais un beau. Hein? Et t'as loin dit et hein? Et que tu savais que tu aurais un beau gars comme ça? Hein? Mamie, mets-toi debout. Quand tu me dis, oh Thierry, là, ça fait longtemps que tu t'es allé courir. Et tu savais que tu aurais un beau gars comme ça, toi? Qui commence à te faire courir dans la forêt? Tu savais quoi? Hein? Et cela montre quoi? Regardez le mot. Depuis notre origine, depuis notre naissance, il nous a pris en charge. C'est-à-dire que tous, il nous a pris en charge. Mets-toi debout.
Regarde. Qui est la maman de ma fille? Vous voyez, nous les êtres aimés, nous ne comprenons absolument rien. Tu savais que tu aurais une fille qui va te dépasser, toi? Et pas pour te dépasser, elle continue à grandir. Vous devez la venir, vous devez la. Vous êtes le même élève, hein? Est-ce que... Comment je l'ai rendu? Est-ce que tu savais vraiment, hein, qu'un jour tu auras un enfant qui va dépasser la taille? Au moins, ça montre quoi? Depuis notre origine, depuis notre naissance, il nous a pris en charge. Il savait, lui, l'Éternel, il y avait encore. Il savait. Alors, le problème à l'aise, quoi, maintenant, aujourd'hui, on va voir. Le problème à l'aise, c'est aussi. Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril. N'est-ce pas? Demain, nous commençons le 1er mai. Suivez-moi attentivement et écoutez-moi attentivement. Ok. Quand nous lisons Genèse, chapitre 1, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dira le ciel et la terre. Deux choses. Le ciel et la terre. Ok. C'est bien de votre parole. C'est bien. Quand Dieu dit qu'il créa le ciel, regardez maintenant. Dans le ciel, quand vous terminez, vous descendez au verre, il a dit que. Il va mettre deux choses. La lune et le soleil. Alléluia. Que le soleil préside le jour. Et la lune préside la nuit. Et les étoiles aussi incluent dans la nuit. Vous me suivez là? Vous me suivez là? Regardez-moi bien. Je répète un peu. Au sur les 30. Demain, nous sommes les premiers. On est le jour, n'est-ce pas? Qui préside? Regardez. Le soleil. Qui va présider la nuit? La nuit. Ouais, tu vois, nous les chrétiens, on est toujours en retard. Dieu, c'est lui-même qui a créé. Il a dit, créons le ciel et la terre. Ça, il a créé la lune, le soleil et les étoiles. Hein? Et la terre. Mais ce que nous devons savoir, nous tous, quand nous voulons passer d'un mois à l'autre, écoutez-moi bien. Vous êtes qui étaient à la veille de l'homme. Quand nous voulons passer un mois à l'autre, et le thème de ce jour, de ce matin, un jour instruit un autre jour. Écoutez-moi, c'est très important. Le thème de ce matin, un jour instruit un autre jour. Mais quand ça instruit un autre jour, c'est à nous de savoir, on va voir maintenant. Comment nous de savoir comment un jour instruit un autre jour? Qui a volé. On l'appelle comment Maman Elisabeth? Le voleur là, on l'appelle qui?
Il fait quoi le plein chien? Là, alors, un monsieur qui a fait le plagiat. Et ce monsieur qui a fait le plagiat, son travail, c'est de voler ces mots-là que Dieu a dit. Quel est ce président le jour? Elle a lu le président de la nuit. Il utilise cela maintenant pour contrecarrer le plan de celui qui nous a fait quoi? Qui nous a pris à sa chair depuis l'origine est là. Ah, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Toi, tu es tranquille, tu es là, tu vis. Alors, celui qui est l'autre, je ne sais pas si c'était son nom. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le plagiat. Pendant que toi, tu dors la nuit. Il invoque la lune contre qui? Contre toi. Contre moi. Contre les chrétiens, contre moi. Les preuves en eux, c'est lui-ci. Quand Jésus-Christ est né, la Bible nous dit que les mages ont vu l'étoile. En voyant l'étoile, il y a une personne qui était le roi. Donc vous connaissez que le roi est roi. Il a dit, ah, vous avez vu ici l'étoile. C'est là un peu que le Messie, le roi des rois, est né. Et moi aussi, j'aimerais que mon fils me conduise pour que je puisse aller voir ce roi plutôt qui est né. Il a vu par rapport à quoi? Par rapport aux étoiles. Par rapport à quoi? Aux étoiles. Cette étoile-là qui brille là. Écoutez-moi maintenant. Regardez-moi maintenant. Tu sais si ton visage. Sur ton visage, il y a l'étoile que Dieu a mis. Et cette étoile le brille. Et c'est cette étoile qui va définir ta destinée. Tu l'as pas entendu. Amen. Mais maintenant, comment tu as l'étoile, qu'est-ce que ton visage qui va préjuger ta destinée? Quand l'autre maintenant, qui est dans ce monde, avec ses acolytes, regarde, hey, tel est né dans telle famille, dans tel clan, dans telle tribu, dans tel endroit, maintenant, on va aller mettre une semaine de désordre. Une semaine de désordre maintenant, hein? Comment? Regardez. Vous avez déjà écouté les informations au milieu des politiciens. Les politiciens disent ceci. Nous sommes réunis durant toute la nuit. Aucun jour de demain, nous sommes réunis toute la journée. Et durant jusqu'à présent, depuis que nous sommes réunis toute la nuit. Et puis, en se réunissant toute la nuit, on a décidé que ce qu'on a décidé, voici le matin à 8, jusqu'à 8h, on va proclamer ce qu'on a décidé. Il décide quand? Et ta vie est décidée quand maintenant? Ta vie est décidée la nuit. Quelle est la personne? Quelles sont maintenant cette personne-là qui décide sur ta vie? Les acolytes de l'autre. Non, non, on verra bien par la main. Les acolytes de l'autre. Il décide en disant, ah, quelle personne? Demain, écoutez ce qui se passe maintenant. Demain, la personne a un rendez-vous. Dans quel endroit, on va bénir la personne. La nuit, là, ils se réunissent, le conseil de ces gens. Et comme nous, les chrétiens, nous ne savons pas rendre celui qui nous a mis à. Qui nous a pris à chair depuis notre naissance, depuis notre origine, de rendre sa gloire et sa place. Alors, vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe maintenant, l'autre nous fait endormir. Combien de chrétiens parmi nous veillent pendant la nuit, par exemple? En disant que Dieu m'a décidé dans tel événement, commencer à veiller, à prier pour moi. Et
on n'est pas dans le jour, n'est-ce pas là? Regardez-moi, on n'est pas dans le jour, n'est-ce pas? Le soleil est là. On sait qu'à 10h, on va où? À l'église. On va où? À l'église. Mais vous savez ce qui s'est passé la nuit? Ah! Regardez pour que vous donner une illustration, vous allez comprendre. Quand vous voulez vous réveiller, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes lourd, vous ne voulez pas sortir, vous ne voulez pas aller à l'église. Ah! Vous ne savez pas ce qui s'est passé la nuit. Quand vous dormez, ce genre-là, pendant la nuit, travaille. Dieu a dit que la lune préside la nuit. Alors, eux aussi font le plagiat. Ils utilisent quoi? La lune. Pendant la nuit. Ils invoquent la lune. Ils invoquent les étoiles. Ils invoquent. C'est pendant la nuit qu'ils maudissent les chrétiens. C'est pendant la nuit qu'ils détruisent les chrétiens. C'est pendant la nuit qu'ils prennent des décisions contre les chrétiens. C'est pendant la nuit qu'ils prennent même des décisions pour ta vie, contre ta vie. Ce n'est pas pendant le jour. Alléluia. Ce n'est pas pendant le jour. Alors, on est les 30 jours. N'est-ce pas? Comme nous sommes les temps, nous allons passer les premiers. Quand est-ce que nous passons les premiers? C'est quand? Minuit. Ah! On vient de terminer janvier, n'est-ce pas? Février, n'est-ce pas? Mars, n'est-ce pas? On va terminer avril. Est-ce que toi là qui me regardes, as-tu pris une décision en disant maintenant, regarde, c'est lui qui m'a appris en scène depuis mon origine, depuis ma naissance. Est-ce que j'ai eu la minute ou l'heure de rendre action de grâce? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour passer d'un mois à l'autre. D'un jour à l'autre, un jour est un autre jour. Si toi tu ne rends pas l'action de grâce, pour dire Seigneur, je vais te rendre l'action de grâce. Et quand tu vas commencer à rendre l'action de grâce? Pour passer à l'autre jour, à l'autre mois. Écoutez-moi bien, vous passez à l'autre jour, à l'autre mois, à l'autre semaine. C'est quand? Vous voyez le chrétien. Projetez-moi Malachie pour reprendre action de grâce. Malachie chapitre 2, verset 1. Malachie, s'il vous plaît. Malachie, chapitre 2, verset 1. Continue. Verset 2. Si vous ne prenez pas à cœur, je vais voir. Quoi? C'est là que je cherchais là. De donner quoi? Gloire à qui? À son nom. Gloire à qui? À l'Éternel. Gloire à qui? Au nom de l'Éternel. Désormais. Écoutez mes amis, ici, avant de commencer la prédication, on a chanté la louange et l'adoration. Hein? Est-ce que la louange et l'adoration doit être seulement le dimanche à 10h, 11h? Non, tous les jours. Est-ce que nous le faisons maintenant?
maintenant, il vient de terminer. Il vient de terminer le mois qui passe. Et j'ai commencé le mois qui va commencer. Il vient de terminer la semaine qui passe. Il vient de commencer la semaine qui va commencer. Il vient de terminer le jour qui passe. Il vient de commencer le nouveau jour. Nous rendons cette action de grâce de ce qu'il a fait. Qu'est-ce que signifie action de grâce maintenant? Dans l'action de grâce, il a la louange et l'adoration. Est-ce que nous adorons Dieu d'abord? Regardez-moi maintenant. Nous adorons Dieu de ce qu'il a fait. On a dit qu'il nous a préparé depuis notre origine, notre naissance. Est-ce que nous lui rendons cette grâce-là? Est-ce que nous l'adorons en disant, c'est toi qui m'as pris en charge depuis mon origine, depuis ma naissance. Maintenant, c'est toi qui m'as pris en charge pour les 3-4 mois qui viennent terminer. Maintenant, je vais entrer dans le 5e mois. Mes amis, action de grâce. Action de quoi? De grâce. Et quand j'étais là, j'ai passé comme ça. J'ai passé comme ça. Je voyais les troupes de louange qui se donnaient comme un âme. Mais les autres sont là. Mes amis! Mes amis! Mes amis! Action de grâce! De ce qu'il a fait! Et de ce qu'il est, lui! Depuis notre origine, depuis notre naissance, il nous a pris à quoi? En chair. Est-ce que tu peux même ouvrir ta bouche? Il n'a pas besoin de quoi que ce soit, que tu puisses ouvrir ta bouche pour les grandes actions de grâce. Hein? Depuis janvier jusqu'à le 1er janvier au 30 janvier, il t'a protégé, non? Hein? Il t'a protégé, n'est-ce pas, mes amis? Il nous a protégé, n'est-ce pas, mes amis? Pour un jour, connaissons un autre jour. Maintenant, on va commencer le mois. Est-ce que moi, si tu n'as pas rendu action de grâce, qu'est-ce qui va se passer? Tu connais ce qui va se passer au mois de mai? Alléluia! Amen. Peuple de Dieu, nous connaissons ce qui va se passer au mois de mai? Non. Mais lui, qui t'a pris en charge depuis ton origine, comme ça, il sait ce qui va se passer au mois de mai. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Tu dois commencer d'abord à le rendre à Dieu de grâce. Alors, disait Seigneur, merci Seigneur, tu es sauvé Jésus. Viens passer le 4e mois. Maintenant, il y a encore le 5e mois. Mais avant de passer le 7e temps et le 5e mois, un jour construit notre jour. Un mois construit notre mois. Une semaine construit notre semaine. Une semaine construit notre mois. Et notre mois. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons rendre un culte d'action de grâce? Le but, c'est quoi? Raisonnable, c'est pas ta bouche. De ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. De ce, je répète, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Qui sait ce qu'il va faire le mois de mai? Personne ici, hein? Mais lui, qui nous a pris en charge depuis notre origine, il sait. C'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël, ils ont compris cela. En comprenant cela, ils ont commencé à donner à l'Éternel les différents noms. Par exemple, Yahvé, Sébaoth, Dieu des armées. Parce que quand j'avais la guerre, Dieu des armées intervenait. Et quand ils venaient, ils avaient la victoire. Mais les gens, ils ont appelé Yahvé, c'est ce que nous. Dieu de justice. La justice de Dieu se manifestait pour les causes. Yahvé, Shalom. Dieu de paix, c'est pour nous donner la paix. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, alléluia. Ok, non, j'ai déjà mes programmes, j'ai déjà mes programmes. Écoutez-moi bien. Vous avez. Alléluia, regardez-moi. Nous tous, on a des agendas, n'est-ce pas? On a des calendriers, n'est-ce pas? Hein? Quand tu regardes le calendrier, je vais prendre d'abord par ma fille. Tu sais comment tu as le calendrier, tu vas travailler cette semaine-là, ta fille, ta là. Alléluia. Telle heure, tel jour, et toi aussi. Telle semaine, repos. Tiens le calendrier, n'est-ce pas? Hein? Vous croyez que l'autre n'a pas le calendrier contre nous? Alléluia. Est-ce que vous croyez que l'autre n'a
pas le calendrier contre nous. Et sur le calendrier, lui, il fait la nuit. Vous suivez? Sur le calendrier, lui, il fait quoi? Hein? La nuit. Son agenda, il fait quoi? Hein? La nuit. Ses décisions, il le prend quoi? Hein? La nuit. Et quand les jours arrivent, nous subissons maintenant. Écoutez-moi, les termes que j'écoute. Nous subissons maintenant l'accomplissement de ce qui l'ordre là a pris comme décision. Ou bien de ce que nous, on a fait quoi? On a détruit ce plan, nous voulons que le plan de qui de l'éternel puisse se manifester dans notre vie. Alléluia. Cependant, la nuit, regardez aujourd'hui ce qui va se passer. Pendant la nuit pour aller au banc, les criers avec la nuit, le gars avec les deux. Il prend la Bible, regarde, regarde. Matthieu dit, si vous demandez au Seigneur, regarde les chrétiens. Seigneur, le Seigneur dit, protège-moi, protège ma famille, merci pour la journée, j'ai travaillé. Et regarde même les bizarres des choses. Ce dimanche, on a un congé, demain c'est congé. Merci parce que je vais donner la prière demain, vraiment, de reprendre, de me ressourcer physiquement. Pire! Hein? Un jour donne naissance à un autre jour. Une semaine donne naissance à une autre semaine. Un mois donne naissance à un autre mois. Une année donne naissance à une autre année. Mais à condition de rendre action de grâce. À condition pour nous que si nous voulons voir que la main de l'Éternel se manifeste dans notre vie. Pour le moment qu'on va commencer, il faut d'abord nous remercier de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait, regarde. Pendant 4 mois, qui t'a protégé? Pendant 4 mois qu'on vient de terminer, on va terminer. Qui nous a protégé? C'est lui. Qui nous a protégé? C'est lui. Mais dans le monde, l'autre monde de l'autre là, ils ont tapé le coup, hein? Ah! Vous croyez que ces gens-là dorment? Ce sont des chrétiens qui dorment. Alléluia. Alléluia, la vie est belle. Je l'ai sauvé, le Jésus-Christ. Je suis sauvé. Et comme je suis sauvé, oh, alléluia, pasteur, toi aussi, je t'agère. Moi, je suis déjà sauvé. J'ai pris au Seigneur et sauvé. C'est bien de croire. Qui est celui qui a le salut pour la détresse? Tu dis où? Sur la terre. Sur la terre. Dieu, qu'est-ce qu'il avait créé? Le ciel est quoi? Et la terre. La terre est où? Ah! Et vous savez ce que les rois de la terre décident? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Malheur à toi! Malheur à la terre! Parce que votre ennemi est descendu avec quoi? Avec colère! Ah ah! Avec quoi? Avec colère! Alors toi, je dis non, ok, comme il a la paix. Regardez les chrétiens avec toi. Comme il est à la fête, il est à la congé demain, on va bien manger, on va dormir. Et comme il y a le soleil, vous croyez, vous regardez le soleil physiquement, vous. Il ne faut pas regarder le soleil physiquement, il faut regarder le soleil spirituellement, qu'elle s'appelle. Il faut quand je regarde la lune, pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Donc, même la Bible nous exhorte à ça. Les enfants de l'Éternel sont dépassés par les enfants de ce siècle. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants de ce siècle savent ce qui va se passer. Même la dernière fois, alléluia, amen. Et regardez, alléluia, amen. Alléluia. Déborah, on a fait chanter le bananier. Alléluia, amen. Déborah a chanté le contenu de loi, j'ai chanté. Alléluia, amen. Le dîner, on a chanté beaucoup. Ah, bien. Mes amis, ce n'est pas la même des miettes devant l'Éternel. Ce n'est pas la même des miettes. Ce n'est même pas la dîme qu'on donne à l'Éternel et la louange de l'adoration. Si tu dis la dîme de 24 heures, c'est combien? 2h40. Action. Alléluia. Regardez d'abord à côté de toi. Il y a la personne. Est-ce que tu as la
dit action de grâce des quatre mains qui vont parler à Dieu. Demande la question, encore. Pose encore la question. Pose encore la question. On dit donne la grâce. Ça c'est quelqu'un qui nous plaît de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Louange et adoration. De ce qu'il est, de ce qu'il a fait. La louange et l'adoration. Est-ce que tu as la grâce de ce qu'il est et de ce qu'il a fait? Alléluia. De ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait. De ce qu'il est. Non, les chrétiens, mes amis, on commence à 0 heure. Nous commençons le mois de mai. Pour passer au mois de mai, nous devons commencer. Écoutez-moi bien, je vais le dire maintenant. Excusez-moi. Nous devons commencer à 23h qui commence action de grâce. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pendant les 4 mois passés. Alléluia. Dès que c'est 0, 0 est fini, je te glorifie, je te fais devenir de ce que tu vas faire. Mais parfois nous oublions. Et à cette heure-là, on dort. On a regardé un bon film, on est fatigué, on croit qu'il y a un peu. Alléluia. On a regardé un bon film, comment ça fait quoi? À ronfler. Regardez-moi. Oh! Regardez, tu n'as pas besoin de prier. Regardez, j'ai déjà entendu que tu priais. Seigneur, je te remercie, je te remercie. Pendant les 1 à 30, 1 minute jusqu'à 40 secondes, là, la personne est. Après, bien 3 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Et puis après, la situation se dit, j'ai un cauchemar. Mais tu t'es comment tu as un cauchemar? Tu as prié, non? Tu as prié, non? Mais comment tu as un cauchemar? Ah, donc la Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il s'agit de bien ou de manger, les chrétiens ne mangent pas. Il trouve les versets et dit, oh, tu regardes ça. Oh, c'est bon. C'est quoi là? Regardez-moi bien. Celui-ci, le corps ici, ne rendra jamais grâce à le permettre de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Mais c'est ton esprit qui l'a sauvé, Yeshua Mashiach, qui doit rendre quoi? Grâce de ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire. Hein? Mais dès que tu as déjà même mangé, tu bois, tu commences à sauver là. Là où tu as terminé même à manger, là, tu commences à sauver. Alors tu vois, oui, mon Dieu. Oui, mon Dieu. Mais quel type de gens? Quel type de chrétien? Hein? Et vous voulez que vraiment, qu'un jour puisse instruire un autre jour, une semaine puisse instruire une autre semaine, et moi puisse instruire un autre mois, une année puisse instruire une année? Non! Non, mes amis! Si nous n'arrivons pas à comprendre comment rendre l'action des grâces de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, sur les lois et adorations, mes amis! Bien, bien, bien. Aujourd'hui, le 30. À 0h, 1 minute, on est le premier. Tu seras où? Au lit. En train de faire quoi? De ronfler. Tu vas te coucher mal bizarroïde. De voyager dans ces régions, moi, tu vas bizarroïde. Oh, ils sont en train de décider, toi, tu devais te ronfler. Et puis, les chrétiens d'aujourd'hui, mon Dieu a dit, Seigneur, excuse-moi. Protège-moi pas comme ça. Je prends mon âme et dans le sang. Oui, mon corps dans le sang. Oui, moi, je suis dans le sang. Ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Tu dois adorer, louer,
de ce qu'il est, de ce qu'il a fait d'abord pendant les quelques mois, mes amis. S'il vous plaît, peuple de l'Éternel, s'il vous plaît. Et par après, l'élever encore en action de grâce et de loi d'adoration. Maintenant, papa, de ce que tu vas faire, de ce que tu es grand. Quand l'ennemi voudra, il y avait ses mains qui est là, afin que ce que vous te protéger. Alléluia. Quand tu vas besoin, il y avait Jiré et là. Mais si tu ne sais pas, il y avait Jiré qui n'a pas adoré. Qui n'a pas adoré. Et puis quand le problème vous est venu, c'est bon, c'est difficile. Hein. C'est tout le monde dit. Ici, c'est bon, c'est difficile. C'est bon, c'est difficile. Comment et pourquoi? Alléluia. Bon, tu vas Déborah, peut-être que ta vidéo ne quitte pas ma fille. Pardon, je suis compris. Peut-être, non, si vous t'embêtez ma fille. Peut-être dans ta vie, on va dire, c'est moi, sera difficile, hein. Vous, les chrétiens, jamais toujours ma fille, parce que c'est ma fille, j'aime beaucoup. Je pense que je vais avoir une émission, vous dites, je vais la faire. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi. Répondez-moi, parce que c'est moi, sera difficile, hein. Par contre, on vous dit ceci, un autre jour, un jour, un autre jour. Un va jouer un autre, moi. Quand l'ennemi veut prendre une décision, avant que toi tu prennes une décision pour ce moi, je moi je vais prendre une décision sur lui. Parce que c'est lui qui est à moi. Et regardez-moi maintenant. C'est lui qui est à moi. Et plus grand que lui, c'est dans ce. Bon. Ce qui est à moi, c'est qui? C'est Yeshua à Machia. Ce qui est à moi, c'est Roi à Kodesh. Et plus grand que celui dans ce. Bon. Mais action de grâce. Louange. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Les Juifs ont compris comment rendre la congrégation. Des louanges. Hein? 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je répète encore. Dieu la personne. Car les gens, écoutez-moi maintenant, hein, qui invoquent le soleil, dessine, toi tu as déjà devancé ça. Alléluia. Car les gens qui invoquent la lune, vont faire, tu as déjà devancé cela. Parce que personne ne répond. La sorcellerie, c'est quoi? Ce n'est pas s'envoler parce que les gens disent non. Écoutez-moi bien. La sorcellerie, c'est la parole. Quand je dis, ok, on verra quelle telle personne, s'il fera ça, s'il aura ça, s'il aura ça, dans son ministère, dans son travail, dans sa vie, allez. C'est quoi ça? Ils ont proclamé la parole de la source de la malédiction. Mais c'est quoi la source? Alors j'ai dit, je comprends ce qui m'a dit, mais tu comprends ce qui m'a dit. Ah, pas c'est une drôle. C'est pas la parole qui dit. Réveille-toi. Et Christ te verra, t'éclairera. Le temps de te réveiller, d'être comme un soldat, un combattant, toi tu fais voir. Et tu sais ce qui peut avoir des mois de mai, mois de juin, mois d'août, de septembre, la fête. Alléluia! Mes amis! Quand, écoutez maintenant, quand c'est 0 et 1 minute, tu dois te mettre debout. Commencer à proclamer les paroles prophétiques. Parce que écoutez-moi bien. Alléluia. Alléluia. Je reviens.
être debout pour commencer à faire quoi? À proclamer, ou bien d'autres termes, à déclarer les paroles prophétiques sur ta vie, sur ton travail, sur ton ministère. Si, tu, si toi tu ne le fais pas, les autres vont faire quoi? Vont changer d'aller en vont changer les choses. Regarde-moi maintenant. Quand tu parles, quand une personne parle, écoute les paroles qui sont dans ta bouche. Alléluia. Écoute les paroles qui sont dans ta bouche. Mais qui est sorcier? C'est toi qui t'as sorti. Vous comprenez? Vous comprenez? Qui est sorcier? Qui est la sorcellerie? C'est toi qui es sorcier. Mais tu vas te dire, c'est moi, c'est là, comment je vais dire, c'est moi, c'est là, moi, comment je vais dire, qui c'est, qui c'est, qui c'est. Mais tu as dit, si, regardez le prédicateur, il dit, si, mais si c'est, mais il a dit, si c'est pas si, alors il n'y a pas si, si il est chez nous. Je serai en haut, je ne serai pas en bas, je serai les premiers, je ne serai pas les derniers. Et tout ce que j'ai à te parler, c'est à la routine. Seigneur, je change l'histoire de la vie. Tu proclames. Alléluia. Le monde, écoutez-moi, je vais vous dire le secret. Le secret, c'est quand le Père est décidé. Mais ce n'est pas lui qui décide. Alléluia. Le dernier mot revient à qui? Il revient à qui? Mais si toi, tu n'as pas prophétisé, déclaré, je n'ai pas prononcé. Qui va le faire? Le Seigneur a déjà dit. Laisse la parole. Le Seigneur, ah ouais, non, pas en bas, le premier, non, pas le dernier. Alors qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? Dès que tu dis ça, il nous a donné la clé. Alors, agenda. L'ange de surveillance surveillera. 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 L'ange de surveillance. L'ange de surveillance de l'autre côté de surveiller. Sentinelle commence à s'éveiller. Contrôle, contrôle. Parce que ces paroles, tu as donné ce qu'on peut dire. Ces paroles. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les paroles. Pour proclamer que je veux dire. Que c'est moi demain. Avant que je puisse voir le jour où il y a déjà arrangé avec qui? Avec Seigneur et Seigneur. C'est lui qu'on a dit qu'il nous a fait quoi? Dès le jour, il nous a fait quoi? En quoi? En charge. Depuis nos années, il a fait quoi? Il a pris en charge. Si tu ne lui donnes pas sa place, qu'il t'a pris en charge, qu'il m'a pris en charge, depuis mon origine, depuis ma naissance, qui va prendre la place? Quel amour! Qui peut te prendre en charge? Qui peut te prendre en charge depuis ton origine, depuis ta naissance? Tout ce qui se passe, qui va te prendre en charge? C'est lui qui a commencé le travail. Alléluia. Et la Bible est claire et nette. C'est lui qui a commencé l'œuvre en toi, va l'achever. Écoutez-moi bien. Depuis ton origine, ta naissance, il savait. Depuis qu'il y a encore. Hein, mes amis. Mes amis. Mes amis, les paroles prophétiques. Les paroles comment, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les paroles qui sont comment, hein? Prophétiques. Les paroles qui sont comment, hein? Prophétiques. Alléluia. Amen. Amen. Les paroles qui sont comment, hein? Prophétiques. Qu'est-ce que tu vas prophétiser? Tu vas proclamer, déclarer les paroles. Le Seigneur est sauveur et Jésus. C'est moi qu'on va commencer. Je change les choses. La Bible, il a dit à Abraham, l'Éternel appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. Mais si tu ne l'appelles pas, c'est qui va l'appeler? C'est l'autre. Parce que l'autre a agi pendant la nuit pour que ça puisse se manifester pendant le jour. Il a volé un plagiat, il préside parce que c'est. On voit le président. Quel est le rôle du président? Le rôle du président, c'est lui qui dirige.
Ah! Oh, regarde comment elle a fait le plagiat. Comme le gars avait dit que c'est la lune qui préside la nuit, et c'est le soleil qui préside le tout. Il a volé ce que moi, président. Il a dit, moi je suis le président, maintenant suivez-moi. Toutes les décisions. Alors, pendant la nuit, il prend. Ainsi, d'ailleurs on verra, d'ailleurs on a décidé. Allez, c'est bien, allez contrôler. C'est bien, allez contrôler. Il t'entoure. Tu fais ça, il faut ça. Tu fais ça, il faut ça. Mais si tu les as détruits, en rendant l'action de grâce, de louange, d'adoration, de reconnaissance à celui qui t'a pris en charge. Je répète un mot. Depuis ton origine, depuis ta naissance. Deuxième dossier, sans effet. Parce qu'il y avait ses bautes déjà. Hein? Amen. Il y avait Jiré déjà. Hein? Il y avait Shalom déjà. Hein? Il y avait Tiskeba déjà agi. Il y avait Lucia déjà agi. Mais je ne le fais pas, personne ne peut pas le faire à ta place, mes amis. Un jour, un sweet, un autre jour. Une semaine, un sweet, un autre. Semaine. Un mois, un sweet, un autre mois. Une année sur une autre. Alors, c'est moi. Je ne comprends pas cela. Qui va le faire pour moi? Qui va le faire pour toi? Lui, il dit non, moi j'ai déjà fait mon travail. Je vous dis mon travail. Mais c'est à toi maintenant d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Ils ont fait leur agenda. Ils ont fait leur programme. Toi, qu'est-ce que tu fais? J'annule. J'annule ce vrai programme. J'annule leur agenda. Les satellites, les paraboles, les téléphones. J'annule. Alléluia. Alléluia. Vous voyez les satellites, c'est pourquoi? Ce que vous voyez physiquement, dans les mondes spirituels, c'est la même chose. Merci ma fille. Contrôle, il te contrôle. Si toi tu me dis, tu me dis, je suis environné par une nuée de l'éternel d'ange, de l'éternel. Y'a baissé ma haute et descend. Qui va descendre? Ton père, ta mère, vous êtes à la tête de la vie, de votre céleri? Hein? Oignon, tomate, céleri, pomme de terre, frites, steak, salade? Hein? Non! C'est toi d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. De donner la directive. Jour. Toi, le jour d'aujourd'hui. Je te donne l'ordre. À partir d'aujourd'hui, toi, tu es journée. Je décrète que la journée d'aujourd'hui s'appelle comme ça. Alléluia. Si toi, tu ne sais pas donner le jour ce nom, qui va donner le jour ce nom? L'autre. Alléluia. Si toi tu ne sais pas donner le jour son nom, l'autre va donner à ta place. Et puis tu commences à dire, je ne comprends rien, j'ai prié, mais c'est Seigneur qui m'a. Mais oui, tu n'as pas donné. Alléluia. Il faut toujours dévancer l'autre. Papa, toi tu es soldat, tu étais capitaine. Quand on veut aller attaquer l'ennemi, comment on fait? On attaque l'ennemi, puis c'est venir, ou bien on l'attaque d'avance. C'est lui qu'on veut attaquer. On attaque d'avance. Alors si Dieu n'attaque pas, qui va attaquer pour toi? Et l'autre va accomplir sa mission. Hein? Et quand il a accompli sa mission, qu'est-ce qu'il y a? Il a le chef, il a le problème. Alléluia. 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 Amen. Mais quand il dit, toi là, avant que commence le mois de demain là. Maintenant c'est moi de mettre. On va voir moi avec toi, avec mon Dieu. On va voir qui va gagner. J'appelle les choses que je ne sais pas à l'existence. Maintenant, je déclare, je prophétise, ce mois ici, cette semaine ici. Il a déjà tout. Mais le problème, c'est de comprendre la parole. Tout est dans la parole, mes amis.
Tu es dans la Thank you.